Le don d'ovocytes è un technique de la procréation médicalement assistée qui permet de féconder les ovocytes d'une donneuse avec les spermatozoïdes du partenaire. Des embryons obtenus, un ou deux seront transférés de l'utérus de la patiente receveuse et les autres cryoconservés. Les indications pour le don d'ovocytes sont une réserve ovarienne diminuée, une ovarectomie bilatérale, l'insuffisance ovarienne prématurée, des échecs répétés à des fécondations in vitro avec ses propres ovocytes. Les donneuses ont un âge inférieur à 35 ans et sont soigneusement sélectionnées avec des examens qui permettent d'exclure la transmission de certaines maladies génétiques et infectieuses. Une donneuse est attribuée sur la base de critères bien déterminés, comme le groupe sanguin, la taille et poids, la couleur de la peau, des cheveux et des yeux. D'un côté, la donneuse doit effectuer un traitement hormonal qui permet la production des ovocytes. De l'autre côté, la patiente receveuse doit effectuer un traitement hormonal pour la préparation de l'endomètre avant le transfert des embryons. Avec la technique de l'ICSI, qui veut dire injection intracytoplasmatique de spermatozoïdes, un spermatozoïde est injecté dans chaque ovocyte mûr. Le jour après, on peut voir combien de zygotes on a obtenu. Ils continueront le développement cellulaire pour devenir des embryons. Les patientes receveuses recevront des estrogènes qui préparent l'utérus à l'implantation des embryons. Quand l'endomètre sera prêt, on pourra effectuer le transfert des embryons. Le transfert est effectué avec un cathéter souple qui passe à l'intérieur de la cavité utérine, où les embryons sont injectés. Il s'agit d'une technique qui ne nécessite pas de l'anesthésie. Après 2 semaines, le test de grossesse nous dira si les embryons se sont implantés.